Radio Radicale, siamo in collegamento con lo storico saggista e giornalista d'inchiesta Pierre Abramovici per parlare con lui di un aspetto poco indagato dalla nostra storiografia, che ne avrebbe sicuramente tutto l'interesse, ovvero che cosa è accaduto nel Principato di Monaco durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi sappiamo qual è la vicinanza e quali sono i rapporti storici tra il Principato di Monaco e l'Italia. Però sono pochi a sapere che cosa è accaduto in quel piccolo stato durante la Seconda Guerra Mondiale. E noi lo abbiamo chiesto a Piero Abramovici, che ha scritto diversi saggi su questo argomento, come il Principato di Monaco sotto l'occupazione, e ha scritto anche un altro saggio molto interessante che ha indagato diciamo, su un affarista, Snozhnikov, il più grande trafficante dell'occupazione, libro che ha avuto due edizioni, la prima che è stata pubblicata nel 2014 e l'altra che è uscita nel giugno del 2021 con la casa editrice Kronos. E quindi noi di questo vogliamo parlare con Pier Abramovici, che non parla l'italiano, al quale rivolgeremo delle domande in francese. Monsieur Abramovici, quelle étaient la position du Principat de Monaco vis-à-vis vers le fascisme et le nazisme au début de la guerre en 1939? D'abord, il faut que je fasse une introduction sur la place des Italiens à Monaco. Si j'arrive. Voilà. La principauté de Monaco est divisée en trois communautés. Les Français, à peu près 12 000 en 1939, les Italiens, également à peu près 12 000 en 1939, et les Monégasques eux-mêmes, très minoritaires, aux alentours de 4 000. La communauté italienne de Monaco est une communauté qui est très largement divisée entre fascistes et antifascistes, avec une proportion en pourcentage d'adhérents du Parti national fasciste plus élevée qu'en Italie. Il y a une Casa Italiana à Monaco, qui se trouve sous le palais princier, sous le rocher, qui organise des manifestations très importantes, de l'ordre de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes en chemise noire dans les rues de la principauté. Et l'adversaire considéré comme tel par le prince de Monaco, c'est l'Italie, parce que l'Italie est supposée envahir la principauté, parce qu'elle a des revendications territoriales sur la principauté, du fait de la période historique précédente, au siècle précédent, où l'Italie possédait, le royaume de Sardaigne possédait la principauté. Donc, le soutien que demande le prince de Monaco à Vichy dans un premier temps, puis aux Allemands dans un second temps, est lié à sa position vis-à-vis des Italiens et de la position des fascistes italiens à Monaco. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Deuxièmement, Monaco va être occupé deux fois et rester neutre une fois. Neutre de 1940 à 1942, occupé par les Italiens de 1942 à 1943, puis occupé par les Allemands de 1943 à 1944, puis libéré par les communistes, en partie les garibaldiens italiens, en 1944. Donc, la principauté, dans les 2 années de neutralité, est vichyste, mais en même temps en sous-main, est favorable de plus en plus à l'Allemagne nazie, sans que ce soit public. Donc, la position vis-à-vis des Italiens est une position de crainte et de danger, d'autant plus accentuée que la Casa Italiana n'est pas le seul centre italien sur la principauté. L'OVRA a pour la Côte d'Azur son siège clandestin en principauté dans l'entre-deux-guerres. Et donc les activités des fascistes et des services de renseignement italiens mussoliniens sont extrêmement importantes à Monaco dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre. La position de la principauté à la déclaration de guerre est donc une position qui va être extrêmement claire. Les Italiens ont occupé et annexé Menton. La frontière italienne est désormais à 6 km de la frontière monégasque. L'ennemi, c'est l'Italie.
Quelle relation le prince Louis de Monaco entretient-il avec la France et le gouvernement français jusqu'à la défaite de 1940, de juin de 1940? Monaco est un protectorat français qui est également historiquement est lié à la question italienne. C'est toujours la même chose à Monaco, l'Italie est toujours présente jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'Italie a été, le royaume de Sardaigne à l'époque, a été le protecteur de la principauté, un accord a été fait quand l'Italie a occupé, enfin, est devenue indépendante et a eu son risorgimento. L'accord a été entre la France et l'Italie, entre Cavour et Napoléon III. La principauté a perdu Roquebrune et Menton, qui appartenaient à la Sardaigne, et qui sont devenues françaises. Monaco se retrouve réduit à rien. Il y a un accord entre Monaco et la France, et pour obtenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire Monte Carlo, et cette ville riche et que tout le monde connaît, la France a donné un certain nombre de moyens en contrepartie d'un protectorat politique et qui s'est étendu jusque dans l'entre-deux-guerres de manière très, très importante. Le prince Louis de Monaco, celui qui va être le prince de la Seconde Guerre, il est général de l'armée française, il est français dans son esprit, et il confie les clés de la principauté à la France. Celui qui aura le pouvoir est ce qu'on appelle le ministre d'État, c'est-à-dire le premier ministre, qui va être nommé en 1937, et ce premier ministre est un homme de la France, qui travaille pour la France, et qui ensuite va travailler pour les Allemands. Quelle était l'attitude de la principauté de Monaco vis-à-vis du gouvernement de Vichy et de commandé par le général Pétain? Le prince Louis est donc militaire. Il est général. Il a été officier pendant la guerre de 14 sous les ordres de Pétain. Donc il a une position vis-à-vis de Pétain qui est celle de son subordonné vis-à-vis de son supérieur. Par ailleurs, Louis est un anticommuniste très, très viscéral et donc il apprécie ce qu'on appelle la politique de révolution nationale. Enfin, la peur de l'Italie est telle que son protecteur, dans un premier temps, c'est le maréchal Pétain. Il va en appeler au maréchal Pétain à plusieurs reprises contre les agissements, notamment de la commission d'armistice franco-italienne qui envoie des contrôleurs à Monaco contrôler la principauté de Monaco. Donc, de peur de l'Italie, il va se rapprocher encore plus du maréchal Pétain. Pourquoi? Parce que les relations entre les principaux de Monaco et, les Allemands et italiens étaient déjà si étroites dans les années 30. C'est une bonne relation. Les Allemands ont compris de leur côté l'intérêt économique de la principauté. C'est-à-dire que dès 1938, 37-38, les Allemands ont compris ce qu'était le paradis fiscal à Monaco. Ça les intéresse. Structurellement, il y a ce qu'on appelle la création des holdings. Qu'est-ce que c'est une holding? C'est une société qu'on peut créer sur place où les propriétaires ne sont pas connus. Ils seront fictivement des propriétaires monégasques de Monaco, mais en vérité, ce seront des Allemands. Cette idée est mise en place dans un premier temps de manière très petite avant la guerre. On va créer à peu près 40 à 50 holdings jusqu'en 1939. Et à partir de 1940, on va en créer 286, entre 40 et 44, dont l'essentiel, plus de 200, seront allemandes. Et elles vont dissimuler à Monaco le transit de l'argent qui vous doit aller vers les pays neutres pour acheter des matières premières, doit aller en Suisse pour cacher l'argent, etc. Les Allemands vont donc transformer Monaco en un concept qui est Monaco est un pays neutre, doit rester neutre, et cette neutralité doit être visible et affichée. Mais en vérité, Monaco est une colonie économique allemande entre les mains des Allemands. Et donc tout le comportement, quand les Allemands vont arriver de manière claire, c'est-à-dire à partir de 1943, va être une attitude de collaboration clandestine presque. Mais visiblement, les Allemands vont tout faire pour que Monaco reste neutre, alors qu'il ne l'est pas du tout.
Comment a été vécue l'occupation italienne de 1942 en principe de Monaco? L'occupation italienne est très mal vécue, très très mal. D'une part, imaginez, vous avez votre voisin dans votre immeuble que vous connaissez depuis 30 ans, qui est un brave type avec qui vous allez prendre le café tous les matins et qui se révèle une brute en chemise noire à partir de 1940. Les premiers incidents entre fascistes et monégasques datent de 1940, quand on tue à coups de gourdin un jeune monégasque dans les rues de Monaco parce qu'il a créé à bas Mussolini. Les premières manifestations anti-fascistes à Monaco ont lieu en septembre 1940 et elles sont tournées toujours contre l'Italie. Donc, quand les Italiens arrivent en 1942, ils trouvent à Monaco une cinquième colonne composée de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fascistes qui les accueillent en chemise noire, en applaudissant l'arrivée des troupes italiennes et qui se transforment en supplétifs de la police et de l'OVRA italienne. Pour les Monégasques, l'occupation italienne a été très brutale, avec des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été arrêtées, torturées et envoyées dans des camps d'internement à la frontière italienne ou en Italie. Monsieur Abramovici, quelle est la situation des Juifs en principe de Monaco pendant l'occupation italienne et après avec les nazistes? En fait, elle commence mal avec Vichy, puisque les premières déportations ont lieu sous Vichy, dans la période neutre. Et sous les Italiens, c'est exactement le contraire. Comme sur la Côte d'Azur, les Italiens vont protéger les Juifs, au point que le chef du parti fasciste de Monaco est un prêtre qui s'appelle l'abbé Arici, qui est le curé d'une paroisse de Monaco, qui va fictivement convertir au catholicisme plus de 170 Juifs pour les protéger. Et les Italiens vont garder cette population juive absolument en toute tranquillité. Malheureusement pour les Juifs, comme pour tout le reste de la Côte d'Azur, ceux de Monaco vont avoir le même sort. C'est-à-dire que parce qu'ils sont protégés par les Italiens, quand les Allemands vont arriver, ils vont les trouver. Et donc, il y aura de nouveau des reprises de déportation à partir de l'occupation allemande, avec de nouveau la complicité du gouvernement monégasque. Monsieur Abramovici, par qui Radio Monte Carlo a été fondée pendant la période de l'occupation italienne? Vous voulez parler avec la naissance de Radio Monte Carlo? Radio Monte Carlo, c'est une radio qui a été pensée par les Allemands, imaginée par les Allemands avant la guerre, avec la complicité du gouvernement monégasque. Radio Monte Carlo, c'est ce que je vous disais sur la neutralité, c'est-à-dire que c'est une façon de dire, il y a une radio neutre dans un pays neutre qui va être la seule qui va diffuser par exemple du jazz, ce qui est interdit partout ailleurs, qui va diffuser des informations neutres à destination des autres pays. Cette image fictive est entre les mains des Allemands, sous contrôle économique des Allemands, avec du personnel allemand et français. Mais la structure administrative, la structure économique et financière de la radio est entre quatre partenaires: la France, la Principauté, l'Italie et l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui dirige, mais les Italiens sont partie prenante au point qu'à la libération, à partir de 1944, les Italiens vont réclamer leur part de Radio Monte-Carlo en disant: nous sommes copropriétaires de Radio Monte-Carlo et il y aura une négociation après la guerre pour que les Monégasques et les Français puissent récupérer la priorité et la majorité des parts dans la Radio Monte-Carlo créée par les Allemands. Les Italiens n'ont qu'un rôle extrêmement secondaire de Radio Monte-Carlo. Pendant l'occupation, la Reich Bank, la Bundesbank, avait-elle un bureau à Monte Carlo, in Principato di Monaco, nel Principato di Monaco? Alors, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Là encore, il y a un projet de banque qui est voulu par la Reich Bank et par son ministre de l'époque qui s'appelle Almar Schacht, avant-guerre. Ce projet va être poussé à partir de 1940 dans l'idée qu'on va créer une banque qui va remplacer ce qu'on appelle la Banque des règlements internationaux, qui est présente à Bâle, en Suisse, qui est la banque des banques centrales, par cette banque à Monaco. Mais il se révèle que la Banque des règlements internationaux
va être parfaitement pro-allemande pendant la durée de la guerre, donc on n'a pas besoin de la remplacer. On va donc la remplacer par un nouveau projet de banque qui est piloté par la banque de Göring, qui s'appelle la Luftbank. Et cette Luftbank va injecter des capitaux dans une nouvelle banque qui va être créée à Monaco au printemps 1944, qui va s'appeler la Banque Charles, mais qui n'aura pas le temps matériel d'exister vraiment, parce qu'elle va exister au niveau juridique que très peu de temps avant la libération. Donc en vérité, il n'y aura pas finalement de banque effectivement allemande à Monaco. Elle n'aura pas le temps matériel d'exister, même si le projet a duré la guerre entière. Vous avez publié deux livres sur Michel Sklonnikov. Qui était Michel Sklonnikov? Alors, Michel Sklonnikov est un vrai juif, faux juif. Il appartient à une communauté qui vient de Lituanie. Pour les Allemands et pour les Italiens, cette communauté n'est pas juive, mais pour Vichy, elle l'est. Donc, il va être arrêté deux fois par Vichy comme juif et libéré deux fois par ses amis allemands. Sklonnikov est un professionnel du commerce. On ignore à peu près complètement réellement ce qu'il fait avant la guerre, mais on sait qu'il commence à s'enrichir un peu avant la guerre dans le commerce du textile. Et quand les Allemands arrivent, ils ont besoin d'intermédiaires et ils vont se servir de cet homme pour faire des fournitures en matériel textile pour l'armée allemande. Assez rapidement, à partir de 1941-42, il va changer ses activités pour devenir un acteur majeur du marché noir pour le compte de la SS. Et il va commencer, dans ce qui intéresse la principauté, à devenir un acteur majeur de ce qu'on appelle le plan immobilier des Allemands. Alors, le plan immobilier, c'est que les Allemands ont imaginé d'avoir un réseau d'hôtels de luxe, ce qu'on pourrait appeler des hôtels 4 étoiles aujourd'hui ou 5 étoiles, un réseau d'hôtels de luxe de tout le nord de la France jusqu'à la frontière italienne, couvrant toute la côte. Et donc, ce réseau d'hôtels doit être acheté par Sklonnikov pour le compte des Allemands. Et par ailleurs, les Allemands lui font acheter également des immeubles en quantité considérable à Paris, à Cannes, à Nice et à Monaco. Monaco, il va être le premier investisseur immobilier de la principauté. On estime aujourd'hui les biens immobiliers achetés par Sklonnikov en euros d'aujourd'hui à 15 milliards d'euros, ce qui est considérable. La question est de savoir s'il l'a fait pour lui seul ou pour le compte des Allemands. Alors, on pense qu'il y a une petite partie pour lui et une autre partie pour les Allemands. Il a été un acteur majeur, absolument majeur du plan hôtelier, mais naturellement, la fin de la guerre a fait que le plan hôtelier et tout le reste s'est effondré avec les Allemands. Sklonnikov s'est enfui en Espagne et dans ma première édition, je pense qu'il est assassiné par les services secrets français en 1945. Les services secrets français d'aujourd'hui ont refusé de me communiquer les documents pour le premier livre. Et puis finalement, ils ont accepté de me communiquer des documents pour le second livre. Donc, j'ai fait une édition augmentée où je crois pouvoir dire que Sklonnikov probablement n'est pas mort, son corps a été remplacé par un autre et que Sklonnikov en fait a continué à vivre bien après la guerre, en partie en Argentine, en partie en réclamant l'argent qu'il avait récupéré et qu'il avait obtenu des Allemands pendant la guerre en prétendant que c'était le sien, le tout sous le nom de son frère. Donc il a réapparu, c'est ma théorie, sous le nom de son frère. En vérité, il n'est pas mort assassiné probablement en 1945 en Espagne. Lors de la libération du Principat de Monaco, quelle était l'attitude de Gaulle? La France a-t-elle tentée par l'annexion du Principat de Monaco? La résistance à Monaco qui s'empare de la principauté, c'est la résistance communiste. Les communistes, la première chose qu'ils font, ils sont bien informés, ils se précipitent, notamment à la Banque Charles, mais aussi là où se trouvent les Allemands, les biens allemands. Et ils saisissent des documents, des quantités de documents. Il se trouve que le chef de la résistance communiste sur place est également un agent officiel de ce qu'on appelle le commissaire de la République, c'est-à-dire le préfet du général de Gaulle à Marseille, qui s'appelle Raymond Aubrac. Les communistes font parvenir des documents à Raymond Aubrac, pour le compte donc du général de Gaulle en l'occurrence, mais également la résistance communiste plus faible à Monaco, peu active, mais quand même, qui elle était chargée de faire du renseignement et qui communique également des renseignements. De même, le prince Rainier,
quand il est engagé dans l'armée française en 1944, va à partir de 1945 devenir un agent du deuxième bureau de l'armée en charge des questions économiques. Donc, entre 1944 et 1947, énormément d'informations vont parvenir au gouvernement français sur l'attitude réelle, collaborationniste, de la principauté. Dans un premier temps, Raymond Aubrac propose au général de Gaulle, en 1945, l'annexion de la principauté. Mais de Gaulle dit, très exactement, « Si vous l'aviez fait vous-même avec la résistance, je n'aurais rien dit, mais comme vous ne l'avez pas fait, je ne peux pas, moi, prendre la décision, tout seul, d'annexer Monaco. » Derrière, pendant les années qui vont suivre, les informations qui vont arriver vont être extrêmement dures vis-à-vis de l'attitude monégasque. Et donc, pendant 10 ans, la France va réclamer énormément d'argent à la principauté sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y aura des négociations très longues qui vont durer jusqu'aux années 50. Et finalement, tout ça va être réglé de différentes manières, mais généralement pour le plus grand profit de la principauté. Y a-t-il eu un purge des éléments que Havaïen collaborait avec les nazistes en principal de Monaco? Je n'ai pas compris la question. Italien. Ah sì, allora ci fu un'epurazione. Furono eliminati gli elementi che avevano i collaborazionisti avec les nazistes pendant la guerre. Alors, une fois de plus, ce sont les Italiens. L'épuration à Monaco, d'ailleurs comme en partie sur la Côte d'Azur, elle a été tournée contre les Italiens. Les Italiens de la principauté, je vous ai dit, étaient à peu près 12 000. En 1944, ils sont plus que la moitié, parce que la moitié d'entre eux a quitté la principauté avec l'armée italienne au moment de l'armistice de Badoglio. Donc, quand les Allemands arrivent, la moitié de la principauté est partie. La moitié des Italiens de la principauté sont partis. Ceux qui restent, leurs magasins ont été cassés, des femmes ont été tondues, il y a eu des exécutions, la résistance a été extrêmement brutale et l'épuration a été presque entièrement tournée contre les Italiens. Et là encore, pendant des années derrière, il y a eu des négociations entre le gouvernement français, entre le gouvernement monégasque et le gouvernement italien pour résoudre la question de la fin de la guerre avec l'Italie. Ça a été résolu par un accord italo-monégasque de 1948, je crois, ou 49, je ne sais plus. Mais cet accord a permis de solder un peu tous les comptes. Et pendant plusieurs années, beaucoup d'Italiens qui avaient quitté la principauté ont voulu revenir à Monaco. Ça a été très, très difficile. Et les monégasques, il y a eu une expression qui restait très longtemps dans le langage de la principauté, c'était les fascistes notoires. Et donc, contre les fascistes notoires, les fascistes connus, les gens étaient très hostiles. Aujourd'hui encore, chez les personnes âgées, l'Italie a été un problème tel qu'on regrette de ne pas avoir expulsé les Italiens à l'époque. Comment a Luis Du a-t-il été déposé au principal de Monaco? Il n'a pas été déposé. Louis II est resté prince en 1944, précisément parce que son petit-fils, le prince Rainier, a tenté un coup d'État en 1944, qu'il a raté, parce que Louis II, qui est général, encore une fois, de l'armée française, a fait appel à la France et a demandé à ce que Rainier soit emmené et envoyé dans l'armée française, ce qu'il a été effectivement ensuite devenu, ce qu'il est devenu. Il est devenu soldat et officier dans l'armée française. Donc, Louis a échappé au coup d'État, il a échappé à la déposition, il est resté prince jusqu'en 1949. Rainier, en fait, a pris clandestinement le pouvoir en 1948 de manière officieuse, mais Louis n'a jamais été déposé, n'a jamais été poursuivi pour ce qu'il avait commis pendant la guerre, au point que, jusqu'à ce que j'écrive, moi, un premier livre sur Monaco sous l'occupation en 1997, la principauté prétendait officiellement que Louis II avait été résistant et anti-allemand, ce qui s'est révélé totalement faux, évidemment. Vous êtes un historique. Les princes de Monaco et la maçon royale ont-ils toujours soutenu les vôtres recherches historiques et archivistiques sur l'histoire du principal de Monaco pendant la guerre? Le premier livre date donc de 1997 et à l'époque, j'étais réalisateur de télévision aussi et j'ai fait un documentaire en même temps pour la chaîne de télévision Arte. Le prince Rainier, à l'époque, était très hostile, très, très hostile à
à ce projet et il m'a empêché de consulter les archives monégasques, ce qui fait que j'ai travaillé sur les archives italiennes, allemandes et françaises. Le prince Albert, son successeur, à l'inverse, s'est montré extrêmement favorable à la révélation et à la continuation de la révélation du comportement de la principauté pendant la guerre, sur le principe qu'il fallait que les monégasques connaissent leur propre histoire et qu'il n'était pas question de cacher éternellement cette histoire. Il m'a au contraire ouvert complètement et, comme il dit, sans aucune réserve, les archives de la principauté. Et à ce jour, je suis le seul au monde à avoir accès aux archives de la principauté entièrement et à pouvoir continuer à travailler dans les archives de la principauté. Bene, io mi scuso per il mio francese e ringrazio Pierre Abramovici, con il quale abbiamo voluto parlare di una, diciamo, di una parte della, della storiografia che riguarda anche un po' gli italiani e anche il fascismo italiano, purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale, per quanto riguarda l'occupazione del Principato di Monaco e tutte le ambiguità che ci sono state in questa realtà durante la Seconda Guerra Mondiale. Io comunque sono molto grato e ringrazio Pierre Abramovici, col quale abbiamo parlato di questo aspetto della della guerra, e naturalmente invito tutti a leggere i libri di Pierre Abramovici, che sono quanto mai interessanti perché ci aiutano a capire una parte sconosciuta anche della nostra storia attraverso i suoi libri, Monaco sull'occupation, che è uscito nel 2015, e Snoznikov, Le plus grand trafiquant de l'occupation, edito da Kronos e che è uscito poi in queste settimane. La ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il giornalista Pierre Abramovici. Grazie. Grazie mille. Grazie di voi.